down. But homie, I'm just living my life and gonna do what you think is right, cause that's messing me out. They're telling me they know what's best, but will I care? Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment accéder à l'interface administration d'une Livebox. Je tiens à signaler que ça fonctionnera sur tous les modèles de Livebox et je vous montrerai même deux moyens d'y accéder. Que vous soyez sur mobile ou sur ordinateur, la manipulation va rester la même et je vous montrerai même comment vous y connecter. Comme ça après vous serez dans l'interface administration de votre Livebox et vous pourrez tout simplement modifier les paramètres que vous voulez à l'intérieur. Donc pour ce faire, vous allez sur votre navigateur préféré, moi je prends Google Chrome, et dans la barre du dessus, vous allez taper l'adresse IP en local de votre Livebox qui est 192.168.1.1. Je vous le mettrai en description de vidéo si jamais vous voulez le copier directement. Vous le collez bien dans la barre du dessus et pas dans la barre Google, sinon ça fera une recherche simple et non un accès direct à l'interface. Et là, vous voyez, on a la page de connexion pour accéder à l'administration. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous ouvrez un nouvel onglet et vous tapez toujours dans la barre du dessus http://. Et vous tapez Livebox comme ceci, vous cliquez sur Entrée et là vous aurez directement la même interface. Maintenant pour vous connecter à cette interface là, le login ça sera toujours admin, donc là il est déjà pré-rempli. Et le mot de passe sur la Livebox 1 ou la Livebox 2, donc les anciens modèles, le mot de passe c'était aussi admin, A-D-M-I-N comme ceci. Vous cliquez sur Entrée et là vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc tout simplement, sur les nouvelles Livebox, c'est les 8 premiers caractères de la clé Wi-Fi de base. C'est-à-dire que quand vous retournez votre Livebox, vous avez le nom de votre box et le mot de passe, donc la clé Wi-Fi. Et bien là, vous allez tout simplement prendre les 8 premiers caractères de cette clé Wi-Fi-là. Vous les tapez ici en respectant minuscules et majuscules et vous verrez, ça va vous connecter. Maintenant, si vous voulez faire plus simple, vous faites mot de passe oublié. Vous tapez le mot de passe personnalisé. Vous cliquez sur enregistrer et selon la box que vous avez... Si vous avez un écran, il va vous afficher un code PIN et du coup, il faudra aller voir sur votre Livebox le code PIN, vous le tapez et ça va confirmer que vous êtes bien proche de votre Livebox pour pouvoir changer le mot de passe. Et si jamais vous avez un modèle plus récent de Livebox, eh bien, il va vous demander d'appuyer sur la touche WPS qui est un bouton physique sur la box. Donc là, je vais tout simplement faire annuler car le mot de passe, je le connais. Je le tape directement et je fais connexion. Maintenant, vous patientez, vous avez accès aux favoris, ça c'est des petits icônes en favoris, sinon vous allez sur la droite et vous avez tous vos équipements connectés, internet, etc. Vous voyez plein de petites choses, donc vous pouvez paramétrer pas mal de choses et pour vous déconnecter, le bouton est sur la dernière page comme ceci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'accéder à l'interface administration sur une Livebox. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao tout le monde !